C'est dur, hein? C'est sûr, Fares, hein. Putain, ça a été dur. Ça a été hein. Dur. Les trois finalistes, si vous êtes arrivés jusqu'à là, c'est que vous le méritez vraiment. Donc, croyez pas que c'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous êtes mauvais ou autre. Ça a été dur et force à vous. Force à vous. Je sais pas, mais je sais pas si vous avez remarqué combien de temps ça a mis pour prendre la décision, mais que ça soit Kaïs, que ça soit le producteur Momo, que ça soit Alrima, que ce soit moi, que ce soit ma sœur, tout le monde discutait, tout le monde avait un avis. Moi-même, j'ai eu un avis. Après, j'ai changé. Parce que c'est dur de entre ce soir et toute la semaine. Ouais, mais c'était ton premier choix quand même. C'était mon premier choix. À la base, c'est celui qui est mon préféré. Après, j'ai été bouleversé par MKN pendant la semaine. Ce soir, par Ami, c'est la merde. C'est comme ça. Ouais. Et toi, t'es content? Bah oui. Ah, gros, ça va être lourd. Oui. Je suis content. L'aventure est comme content. Je t'ai dit, ouais. les trois, ils avaient un truc, tu vois. Les trois, ils avaient un truc. Maintenant, j'ai dû parler stratégie. J'ai dû prendre en compte beaucoup de choses. Et ça en est venu à choisir Fares, tu vois, tout simplement. Mais dans tous les cas, et voilà. MKN, il a été lourd. J'espère qu'il est prêt. J'espère qu'il est prêt, frérot. Ah, on l'a prévenu. J'espère qu'il est prêt. Et voilà, en tout cas, ça a été une super aventure. De ouf. Merci à tous. Ils vont manquer. Merci à toi, John, frérot. Merci à toi, frère. Parce que c'est grâce à vous. C'est toi qui as eu l'idée, faut le dire. C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui es venu me chercher, frère. C'est toi qui m'as dit. C'est moi qui ai venu te chercher, mais c'est toi qui as eu l'idée de ce concept-là. C'est très important de le dire. Et c'est toi qui a été en direct pendant des 3 heures d'affilée, pendant une semaine, pendant que nous, on fait des petites pauses, on va boire un coup, on va voir, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est physique. Et merci. Merci à tous les guests qui sont passés, qui nous ont donné de la force. Ouais. Et à tous les participants, les 40 participants qui ont participé. Merci à toi, Laetitia, d'avoir fait ces beaux choix. L'ambassadrice. C'est elle qui a tout organisé, qui parlait avec tous les artistes, tout le monde. Et voilà, c'est la fin d'une aventure. Et j'espère qu'on donnera une autre chance à quelqu'un d'autre par la suite, un autre jour, Inch'Allah. Maintenant, tous les gens qui sont là, restez connectés parce que en vrai, c'est la fin des lives, mais c'est le début de l'aventure en studio et ça va être lourd. Et dès que ça sortira, il y aura des clips. Il y aura plein de vidéos. Moi, je vais suivre ça de près. Tous ceux qui ont participé, Isabelle, tout le monde, les gars, il y aura peut-être un projet. Vous savez combien on est originaux, combien j'aime les trucs fous. On va penser à des trucs de fous parce que c'est une belle aventure humaine. Et voilà. Et on a partagé que des good vibes. Je suis fier, frérot. Je te le dis, je suis fier de toi. Je suis fier de nous. On a kiffé. Il y avait peut-être pas des autres gens à 50 000 ou à 40 000 parce qu'il n'y a peut-être pas de cul, il n'y a peut-être pas de flash dans nos lives. Mais on a vraiment voulu faire quelque chose de sain. Et les 2500, les 3000, les 5000, les 6000 personnes qui sont venues à nos lives, c'est vraiment des gens qui sont venus vraiment pour kiffer et kiffer avec nous. On reçoit que des bons commentaires. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc ça fait plaisir. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. On peut être fiers de nous, frérot. On peut être fiers de nous parce que la tentation, elle était là de rentrer des trucs merdiques et on l'a jamais fait. On a été propre du début à la fin. On s'est éloigné des mauvaises ondes, de tous les trucs de merde que d'autres ont fait. Moi, je te dis la vérité et j'ai pas l'habitude de le dire, mais je suis fier de ce qu'on a fait, frérot. Je suis fier de toi parce que moi aussi, je suis fier. Frère, on s'est battu. Voilà, je suis fier. On s'est battu, frère. Je suis fier de tous les participants qui ont participé. Je suis fier de nous. Je suis fier de. Bravo à tous, vraiment. Projet et bravo. Bravo. C'est bon. Bravo MKN. Bravo Amine. Bravo Syra. Bravo Inès. Bravo Dylan. Bravo tout le monde. Et il y a plein de choses qui vont se faire. Il n'y a pas que Fares qui a gagné en vrai. Il y a plein de choses. De dire. Bravo mon ref. Vas-y, écoute, de toute façon, on s'appelle juste après. C'est bizarre. Vas-y, on s'appelle après. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à moi. Là, je vais commencer 504. À bosser sur mon album. Voilà, c'est très important. 504. Là, je vais commencer à bosser sur mon album. On va envoyer du très, 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 très lourd pour le deuxième album. Donc, restez branchés. Suivez les actualités, on va envoyer du lourd. Bon, je vous fais un petit, je vous donne un petit exclu. Peut-être que le prochain son qui va sortir, c'est un RK Rimka. Ouh, allez. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Dit. Là, merci. Ça c'est dit. On exclut pour toutes les personnes qui sont là. Et il y a mon gars Fraise, mon gars DJ Fraise, il est là. Je te mens pas. Je l'ai eu au téléphone. Il a kiffé sur Amine. Il a kiffé à mort sur Amine. Ouais. Donc là, il est en train de dire, je vais peut-être aller. Péter Amine pour un feat. Donc tu vois Amine,
DJ Fred, c'est un DJ parisien qui a sorti un gros titre avec Camro qui s'appelle Sans Pitié. C'est un son qui a grave tourné en club. C'est dans le même registre que Vaille. Donc, il fait ses millions de vues. T'inquiète pas, Amine, frérot. Il va te contacter. Et voilà. Il y a même Azerka que je vais prendre juste après. Je t'ai dit, c'est mon pote avec qui je fais un projet associatif. Qui a envoyé un message. Il a dit, Amine, écris-moi en privé. J'ai quelque chose pour toi. Il y a du lourd pour tout le monde. Voilà. Tout le monde gagne un truc. Tu vois, il y a plein de gens. Il y a des gens qui ont gagné des feeds. Regarde, Léa, je la connaissais pas. Finalement, elle va bosser dans mon album. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait qui encore? Il y avait un autre truc. Il y avait Shana. Qui est tombé sur Nassi, ouais. Et Nassi lui a proposé de lui écrire des chansons. Il y a eu plein de surprises, il y a eu plein de choses comme ça, et c'est un kiff total. Il y a plein de choses qui sont créées, des connexions, et on peut être fiers de nous. Oui, mademoiselle. Moi, voilà. Je tenais juste à vous dire tous les deux, merci de m'avoir fait confiance pour cette semaine. Oh, franchement, au début, ma petite Laetitia, c'est elle qui a... J'étais comme ça, j'étais grave confiante. Mais en réalité, dans moi, je me disais, ah, Yaza, comment je vais faire? Ils vont me dire ça va pas. J'avais pas peur d'être à la hauteur, vraiment. Mais au final. Tu l'as été de ouf. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est incroyable. Des fois, je mettais des câbles, pas Je suis casse-couille, hein. Moi, je suis casse-couille dans l'organisation, dans les trucs. J'aime tout, soit carré. Tu me connais, frère, maintenant. Et ma soeur, frérot, elle est derrière. Elle assume, elle subit ça, tu vois. Et elle a assuré de ouf. Entre mes clientes à l'institut, entre ceci, je me disais, non, c'est pas possible. Déchire, Laetitia, voilà. Merci. Quel moment, je suis merci beaucoup parce que c'était une tâche difficile que tu as eue de dénicher des talents. Nous, on pouvait pas le faire parce que ça aurait été de la triche. Et t'as bien géré, franchement, t'as bien géré. La preuve, c'est grâce au choix que t'as fait qu'on en est arrivé jusqu'à là. Ah, putain. Bah, vas-y. On est ensemble, ma petite gueule. On va plus te voir en live, mais John, on fera des petits lives. Bien sûr, on fera des petits lives. Bien sûr, frère, t'inquiète même pas. T'es fou, c'était trop. Je me suis habitué, ça fait bizarre, là. Mon gars Six dans la maison. Mon gars Six OMC dans la maison. Il est là, putain. Il y a tout le monde qui est passé. Trop d'invités, ça a été magnifique. Vas-y, frérot. Vas-y, mon ref, je te laisse. Je te laisse. On est sur la fin, je te laisse. Je vais essayer d'inviter quelques personnes. Je vais inviter une fille qui veut chanter et à qui j'ai promis. Comme ça, tu peux l'écouter aussi, on sait jamais. Voilà. Et après, j'inviterai. Vas-y, je suis là, je suis connecté, mon ref. Vas-y, bravo à toi encore, mon frère. Bravo, mon frère. Bravo, bravo. Je vous aime, mon frère. Tous les gens qui sont là connectés, je vous aime de ouf. Gros bisous, mon frère. Envoyez des messages, je réponds à tout le monde. Bisous, la famille. Champagne shower. Envoyez tous un message à DJ Lesca pour lui dire paye ta casquette, enfoiré. Écoutez, je fais 50 dédicaces aux 50 premiers qui me demandent une dédicace, vous mettez juste votre nom, ça sert à rien de trop parler. Je fais 50 dédicaces là maintenant. Bisous la famille. Et bravo. Bisous, mon frère. Je l'ai pas dit, bravo à celui qui a gagné le disque d'or. T'inquiète, on l'a noté. Bravo à toi, frère, on va te l'envoyer. T'inquiète pas. Vas-y, bisous. Vas-y, la... à tout à l'heure, bisous. Vas-y. Putain, j'ai du mal à imaginer. Ça va trop manquer. Vas-y, c'est quoi le prénom de la fille? J'ai promis. Il est marqué sur le papier. Alors, Alima, je lui ai promis cet après-midi. Attends, je veux juste voir d'abord si MKN et Amine, ils sont là. Ouais, je pense pas là. Momo, il est toujours là. Vivian, il est dans la place. Même pas un petit coucou, Vivian. Bisous, mon ref. Exceptionnel. Dis donc, je renvoie un message à Amine et à MKN. Salut. Coucou. Ça va? Ça va. J'ai fait dormir mes enfants super tôt pour faire le direct, mais finalement... Ils dorment pas. Ça va, écoute, on est plein d'émotions, quoi. Bah, je vais dire mon boulot qu'à faire. Vraiment, je suis contente pour lui. Jeune ambitieux comme ça, c'est... C'est mérité, mais voilà, c'était dur le choix, c'était très dur. Ah oui, j'imagine. Mais voilà, c'est mérité. Bah écoute, tu veux nous chanter quoi? En fait, j'hésite. J'ai soit Zina, que tout le monde connaît, j'imagine. Ma préférée. Toi, Mercy, de deux filles. I love you. Ou une chanson espagnole. Moi, je dis Zina. Zina. Mais qu'on l'a khatrek. Ok, je commence? Vas-y. Ça va, on écoute? Ouais.
C'était très bien, on avait besoin de tout ça. Je te fais un merci, gros bisou. Merci beaucoup. Merci. Passe une très belle soirée. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Alors attendez, puisque maman, MKN, il est là. Amine, il est là aussi. Je vous prends tous les deux, les gars. Putain, le cœur serré, ça là. Bravo, mon gars. Merci pour tout, franchement, merci pour tout. Kiffé l'aventure de ouf, frérot. Merci à toi. Dès que je fais plus de bisous, hein. Dès que community, je fais plus de bisous, hein. Tu me fais plus de quoi? Des bisous, des community. Ça, c'est plus, hein. Mais oui, c'est moi. Mais quoi, non. La vie là, c'est moi. Tu savais même pas. Mais non, plus. Ma c'est lui qui nous a fait les. Celui qu'on a fait, qu'on a mis sur le mur. C'est lui. Ah ouais? C'est lui qui a fait le bisou. Bah non, moi. Je savais même pas, pourquoi tu m'as jamais dit? Famille d'artistes. Oh, les secrets, les secrets. Bah, t'as raison, en vrai, c'est mieux. Non, en vrai, tu m'as fait plaisir pour travailler sur le projet aussi. Bah, en vrai, ben, même toi, frérot, merci pour les visus. Et MKM, frérot. Merci à toi d'avoir contacté. Avec grand plaisir, frérot. Hey, t'as une voix de malade. Deux, t'as un univers de ouf. Et en plus de ça, tu vois, merci. Ta bonne humeur, ton humilité. Merci beaucoup. T'es un gars génial, frérot. Bravo à toi. Et en plus de ça, tu vois, tu sais très bien que Mimi, tu vois, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui compte. Je sais. C'est, tu vois, c'est une belle rencontre. Moi, je me mets à votre place, c'était pas facile. Franchement, moi, je suis hyper content pour Fares, qui savoure le truc et qui dette ça dans le son. Et puis là, du coup, ça me permet de remercier toute ma famille, tous ceux qui ont été là, qui m'ont supporté. Un énorme merci et merci à vous d'avoir fait ce qu'on a fait. Avec grand plaisir, on reste en contact. Hey, on s'écrit. Bien sûr. Je vais t'envoyer mon WhatsApp, frérot. Il n'y a pas d'Insta qui tienne et on reste en contact. Cool. Merci, Laetitia aussi. Merci. Avec plaisir. Fais un gros bisou à toute la MIF, à tous les amis. Merci beaucoup. Ça sera fait. Merci bisous, à vous. Bisous à tous. Bisous. Ciao.
Bonne soirée, bisous. Allez, on invite Amine. Pas de droit de danser partagé ici, c'est pour ça que je suis là. Ouais, frérot. Bravo, Moura. C'est comme ça. C'est le jeu, c'est comme ça. Il y a un perdant et un gagnant. Sauf que là, bah, on est trois gagnants parce que. Exactement. Parce que j'ai gagné voilà l'amour des gens, tu vois. À la base je suis venu avec 7 personnes, 10 personnes pour qui votent pour moi. Je suis reparti avec des je vois des commentaires Amine, donc c'est le plus important, tu vois. Exactement. Et je sais pas si tu étais là tout à l'heure quand Kaïs il en a parlé, mais frérot, il y a des projets pour toi, il y a des gens qui sont au taquet là. Il y a des gens, frérot, qui veulent vraiment bosser avec toi. Regarde, Alrima, il a dit, tu m'as choqué quand même. JSK, il a applaudi, frérot. Honnêtement, t'as été bon cette semaine, mais ce soir, tu nous as tous choqués. Tu nous as tous choqués. La vérité, MKN, toute la semaine, il a été très bon. Fares, il a eu son truc. Toi, t'as été bon, mais ce soir, tu nous as montré un truc, frérot. DJ Fresh, voilà, c'est ça. Frérot, il veut bosser avec toi. Et c'est du lourd. Il a dit, moi, je veux aller le voir, on va bosser ensemble. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de perdant. Tout le monde a gagné quelque chose. Et on est très fiers d'avoir pu échanger, partager tout ça. Comme quoi, il y a des projets dans la vie où dès que l'humain passe avant le reste, ben, tout le monde peut avancer, tout le monde peut gagner. Tu vois. Bah, franchement, moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis venu pour m'amuser, frérot. Là, je suis venu pour m'amuser. Ben, là, ce soir, je me suis plus amusé qu'autre chose. Bravo. Et ça m'a pris de. Bravo et merci pour ce que tu nous as donné, je te jure. Bravo, vraiment, bravo. Merci à toi, frérot. Bravo. Merci. Et comme j'ai dit à MKN, c'est pareil, frérot. T'es une belle personne. J'ai découvert à travers tous nos échanges. On va garder contact. On va garder contact, les gars, parce que vous allez tous péter dans la musique. Donc au moins, vous faites tâter un peu, tu vois. Non, je rigole. T'inquiète surtout pas. Non, en tout cas, John, franchement, mais merci crois. Beaucoup, frérot. Je crois en vous. T'as toujours été très gentil. Et c'est. J'ai pas les mots, mais en tout cas, je suis content de. Avec plaisir. C'est JJK qui a lancé tout ça. C'est tous les invités qui ont donné de la force. Moi, j'ai fait que animer, j'ai fait que faire le rigolo. Et en vrai, vous m'avez parlé en chantant. Et frérot, merci parce que vous m'avez offert des belles choses. Moi, je sais que cette semaine-là. C'est une semaine, tu vois, c'est une semaine, c'est des lives. Frérot, moi, je sais qu'elles vont, que je vais pas l'oublier, tu vois, parce que ces petits moments qu'on a partagés, je sais que c'était du stress pour vous, je sais que c'était de la prépa, et tu vois, ces sensations-là, frère. C'est ça qui te fait sentir humain, frérot. Donc, merci à vous. Frère, t'as offert un truc de fou avec Laetitia, avec Leska, t'as offert quelque chose de malade, et t'as, pour tous les gens, il y en a, ils étaient stressés, ils étaient plus déçus que l'autre, ils voulaient que l'autre passe, c'est normal. En tout cas, vous avez créé une ambiance magique et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en tout cas, voilà. Bravo, vraiment bravo. Site Fares, trop chaud. Et maintenant, c'est au taf. On va exactement. L'aventure, en vrai, commence cette semaine-là. Ça bosse. Ah, mais c'est rien, ça c'est faut taffer. Et un gros merci à toi, John. T'inquiète, mon ref. Tu t'as fort, ça se voit, tu travailles rien, dur c'est pour rien, ça. C'est rien. Et tu mérites, c'est toi le plus de mérite, frérot. C'est rien, c'est rien. Merci à toi, mon ref. Merci mille fois, merci pour ce que t'as fait, pour tes mots, pour les mots que tu nous as envoyés ce soir. Et vas-y, bon, je t'embrasse. Gros bisous à toi. Et on à bientôt. Merci pour le salut à la maman. Vas-y. Passe le salut à la maman, c'est pas important. Vas-y, mon ref. On reste en contact. Merci moi. Vas-y, tu nous en feras de temps en temps. D'où. Bonne soirée, à bientôt. Bisous, frérot. Ah, trop d'émotions. Trop d'émotions, putain. Merci à tous. Bon, écoutez, j'ai promis à quelqu'un sur le live depuis tout à l'heure, donc je vais le prendre. Denim. Ou demi, non? Demi. Ouais, il est là, 2059. Je tiens toujours mes paroles, donc je le prends. Rien. Putain. Moi j'ai chaud là-bas. Si je suis ému de ouf en vrai. Hello. Ouais gros. Oh, voilà, merci beaucoup. Très très fort. Plaisir, avec plaisir. J'aurais pas voulu être en place pour les trois derniers. C'était la merde. C'était la merde, mais ça finit bien pour tout le monde. Je suis content.
Après c'est mérité, le petit Fares, il est très très lourd. Mais c'est toi qui étais dans le live de Kaïs il y a deux jours, hein, quand on a fait un live la nuit là. Ah, c'est ça, ouais. J'ai pas eu ma chance de participer. Là, il y en a plein, putain. D'ailleurs, ça me permet de donner un petit mot parce que je sais pas s'il y en a qui sont parmi nous, soit trop tard, soit parce que ben, vous êtes passé à travers les mailles du filet. Mais ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde pour nous. Et ta sœur lui a dit, bah, dis-lui de m'envoyer un message en privé. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Heureusement, ça n'a pas été lu, mais j'imagine que vous avez dû recevoir des centaines de messages. T'imagines pas. Mais c'est pas, il y a un destin. Les choses sont parce qu'elles sont écrites. Mais maintenant, tu es là, frérot, et c'est avec plaisir qu'on va t'écouter. Je suis désolée, c'est vrai, si j'ai pas réussi à répondre à tout le monde, j'ai fait mon mieux. C'était. Ouais, franchement. Je suis désolée, vraiment. Il n'y a pas de problème. Vas-y, mon bras, c'est cool, tu prends ma petite veste, quand même. J'ai chaud, vas-y. Pourquoi on va envoyer ça? 2059. Monnaie, vif, motivation, des mineurs au majeur levé qui partent au charbon, je sais pas, neuf, on est gâtation, mais je ferai pas ta part pour la colocation, pète un la rouleuse de fume, pas la peur, je te le pisse dessus, il est mis tant que j'ai pas de crédibilité, des biens délibiles, ça débite 50 ans d'humilité, j'ai pas le temps, je suis venu rafler le game, t'es pas attends, je vais rafler le game. Sur la durée, j'ai agité. Mike et maintenant, on va purer, pour pas trapurer. J'arrondis pas des coins, c'est comme des choses carrées. Ni tout en barré, je vise ma cible. Mais le bon, c'est l'odeur, je profilise ma rime. Qu'est-ce qui t'arrive? Y'a pas de plus moi je vais du 59, pas des fruits de Paris. Traque dans ta ville, et je finis au télo. Le putain, qu'est-ce là, mais je t'arrive, c'est le télo. LK17, faut que je suis tueur. Je me fais tout seul, ni manage, ni producteur. Je pète les adducteurs, à qui veut la mettre dans le banc. Je t'ai mis à des kilomètres. J'ai meilleur, pas de style gris. Et ça peut être la barricade, pas de prendre. Bravo, ben ça me fait plaisir que tu sois monté, que tu aies pu poser ça, et puis j'espère que les gens vont venir s'abonner, histoire de suivre un peu ton action. À toi aussi, merci. Salut. Attends, ouais, vas-y mon ref. Ça c'est lourd ça, ça tue. Vas-y frérot, prends soin de toi. Merci beaucoup. Yeah. Viens. T'as quitté le live? Hein? T'as quitté le live? Non, je suis. Épinglé. Alors, pour finir, les amis, je vous montre ça. Plusjamaisseul.fr. Ok? C'est le compte que j'ai épinglé juste en bas. C'est mon compte. C'est le compte d'Azerka et le mien. C'est pas un truc où je vous parle de ça, je connais. Non, non, c'est celui d'Azerka et le mien. C'est un compte qui a été créé il y a quelques mois de ça maintenant pour qu'on puisse venir en aide à des personnes qui subissent du harcèlement. On n'y gagne rien. Nous, tout ce qu'on y gagne, c'est le plaisir de dire qu'il y a quelqu'un qui se sent seul, eh ben, grâce à lui, c'est plus le cas. C'est pour ça qu'on l'a appelé plus jamais seul.fr. C'est Azerka qui a eu l'idée. Azerka qui a appelé ça plus jamais seul.fr. Il m'a expliqué son histoire un jour. Lui a vécu la lettre pour parler de ses projets. Et ensuite, on a sympathisé. Et quand on a sympathisé, j'ai voulu le mener avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, on est tous les deux sur ce compte, plusjamaisseul.fr. C'est pour ça qu'on met le combat. Et c'est pour ça que je vous demande à tous, là, tous ceux qui sont là, d'aller vous abonner à plusjamaisseul.fr, d'en parler autour de vous. Parce que au final, un jour ou l'autre, on peut en avoir besoin. Vous pouvez connaître quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin de réconfort. Là, on va mettre en place quelqu'un qui va nous permettre de répondre à tout le monde. Parce que nous, on est très occupés. On le reconnaît. On pourrait faire mieux que ce qu'on fait, mais on s'efforce.
Donc, on va mettre quelqu'un qui va répondre tous les jours. On va payer un site où vous pouvez poser des questions. Vous trouvez les numéros d'urgence pour ceux qui suivent harcèlent. Mon projet, c'est un bon projet. Moi, je veux que vous veniez. Vous pouvez écrire, ça restera privé. Vous pouvez écrire, ça sera partagé. Dans tous les cas, vous connaissez quelqu'un chez vous qui sont seuls, autour de vous qui sont seuls, à l'école, n'importe où. Eh bien, ça existe pour tout le monde. Parce que Azerka a connu ça quand il était jeune. Il a été handicapé du bras à cause de ce qu'il a subi. Et moi, je suis personne. Moi, je n'ai pas subi d'harcèlement. Moi, aujourd'hui, je suis juste à donner de mon temps. Voilà, c'est tout. Et au final, ce compte-là, ben, c'est ça qui sert. Et voilà, pourquoi pas donner un peu nous-mêmes, hein? Pourquoi pas venir s'abonner? Pourquoi pas envoyer, partager, envoyer des messages? Oui, tout, c'est un cadre de notre vie qui a vécu malheureusement une sorte d'harcèlement. Ouais. Et j'en ai connu moi-même. Et des fois, ben, on n'a pas les bons, gestes pour aider cette personne-là. Et d'abord, c'est quelqu'un, personne qui, ben, malheureusement, j'ai entendu des histoires de ouf. Et ça, c'est une très très belle porte pour aider une personne qui est dans le besoin, mais qui n'a pas forcément envie de vous parler à vous. Merci. Parce qu'ils ont honte. Mais en tout cas, ouais, cette page, elle est extraordinaire et moi, je la partagerai tout le temps. DJ Leska, il a dit qu'il allait s'abonner. Merci. Merci, mon ref. Voilà. Tout simplement, pour vous dire de plus. Le harcèlement, il existe sous plein de formes. Nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes, sur les réseaux, je vous dis la vérité, il y a des choses qui. Il y a des choses parfois du harcèlement, et certains ont plus de capacité à parler que d'autres, mais grâce à ce compte-là, vous savez que même quand vous avez du mal à vous confier ou autre, ben. Et là, si vous ne voulez pas parler, venez voir ce que. D'autres disent, venez voir ce qu'ils vivent. La preuve, regardez, il y a Jenny, un projet tel que plus jamais seul.fr. Jenny, celle qui. Elle est là, ok? J'ai bientôt 34 ans, victime d'un accident de brûlure alors que j'avais 2 mois. Et. Voilà, dans cette vidéo. La vidéo, elle est là. Vous pourrez aller la voir. Elle a fait un live avec moi. Et elle m'a cloué. Elle nous a... ah ouais. Parce qu'elle a vécu un accident de brûlure quand elle était jeune. Du coup, elle a des brûlures, elle a eu des chirurgies, je sais plus combien, 50 et chirurgies, je crois. Quelle énorme. Et au final, ben, elle a vécu, bien sûr, parce que les enfants sont atroces. Donc en même temps, elle a eu une révélation et. Et voilà, et elle est allée de l'avant et aujourd'hui, elle donne du positif aux gens. Ben, on en est tous capables. Et c'est un bel exemple que je vous invite à suivre. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous invite à y mettre des commentaires, à lui envoyer des messages d'amour, ça lui fera toujours plaisir. Voilà. Tout simplement, on finit sur une note positive pour vous dire qu'on a tous nos problèmes, on a tous nos impératifs, on doit tous payer nos factures, mais enfin, au bout du compte, on est humain. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, eh ben, on peut choisir de s'aimer. Donc voilà, c'est fait. Azerka, elle a dit, frérot, on réussit à tuer le harcèlement. Voilà mon frère. Merci à toi Azerka, merci beaucoup. Azerka officiel, allez voir sur Insta. Allez voir. C'est lui l'initiateur de tout ce projet. C'est lui qui m'a contacté pour ça. Et tout simplement, envoyer des messages de force. Voilà, je tenais à le dire. Ok? Donc. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Momo, merci, je viens de recevoir ton message. Dernier mot. On en refera d'autres. Je vous embrasse tous. Merci pour vos messages, merci pour tout. Donnez-vous de l'amour et n'oubliez pas de sourire. C'est la meilleure arme que vous puissiez utiliser contre tous les problèmes. On vous aime très fort. Ciao. Bisous.